Yves Bonnefoy, peut-on dire de vous que vous exprimez une poétique des origines? Je crois que toute poétique porte sur l'origine, en ce sens que le petit être humain, l'enfant, l'infance, dans son rapport premier avec le monde, eh bien, c'est avec la mère que ce rapport s'institue, et cela, c'est un contact d'indistinction, où on fait corps avec la réalité une, on constitue avec elle quelque chose que le langage n'a pas encore pénétré, analysé, segmenté. Et alors ensuite, quand on se retrouve dans la langue de la loi, dans la langue de la représentation, on éprouve la nostalgie de cette situation première qui était celle d'une participation à l'unité, celle qui était donc comme en deçà de la mort. Et la poésie, c'est la recherche de cette situation première du rapport à l'autre au sein d'une parole meurtrie, d'une parole divisée et que la langue quotidienne nous impose toujours plus durement avec le passage du temps. Donc c'est une recherche de l'origine, la poésie. Elle se fait dans les mots, mais tournée vers ce qui était avant les mots. Il y a donc dans cette recherche de l'unité comme une sorte de déviation constante qui constitue l'imaginaire, qui constitue l'impact de l'imaginaire sur l'acte de poésie. Et dans ce livre, L'arrière-pays, j'ai essayé de décrire quelques-unes de ces situations où des situations du monde à la fois nous reconduisaient vers cette expérience de l'unité et nous en séparaient. À propos des mots, vous dites, et c'est dans un de vos derniers textes récemment publié, Remarques sur le dessin, Dieu manque tellement dans les mots qu'il faut être athée, ce n'est que prudence. Mais vous ajoutez aussitôt, mais s'il, Dieu donc, paraissait dans le dessin, toutefois, par la grâce d'un trait qui se rompt, d'une lumière qui gicle. Est-ce seulement le langage d'Yves Bonnefoy qui empêche de penser une divinité, ce que vous nommez aussi une unité? Et pourquoi la peinture, pourquoi le dessin pourrait être le lieu qui accueillerait quelque chose de l'ordre de la divinité? Eh bien, tout à l'heure, j'ai parlé de cette unité. C'est peut-être cela que nous pouvons considérer comme l'expérience de transcendance, d'immanence dans la transcendance, ce qui constitue pour nous aujourd'hui ce qui autrefois était vécu comme rapport à Dieu. Ceci étant, Dieu même, le Dieu des religions, était déjà une représentation, déjà une segmentation, déjà la perte de l'unité. Et dans ces conditions, il faut sentir que le langage, avec ses structures de mots, avec ses concepts qui sont chacun une représentation partielle des choses, eh bien le langage fatalement opère cette dissociation et nous prive de cette transcendance, de ce rapport avec elle, de ce contact. D'où notre intérêt pour des formes d'expression qui sont moins médiatisées que les mots et le dessin. Le trait du dessin qui se rompt par sentiment brusque de l'afflux d'une réalité indicible derrière le trait même qu'il forme, eh bien, le dessin me paraît comme plus ouvert sur cette transcendance, plus apte à l'exprimer. Et par conséquent, je pense par exemple à la ligne de crête dans les tableaux de Cézanne, essayant de sentir, de dire la présence de la montagne Sainte-Victoire. Cette ligne se rompt, elles ne seront pas par maladresse, elles ne seront pas par excès de difficulté dans la forme même du sommet de la montagne, elles seront sous le poids de ce transcendant. Et elle en est comme, du coup, la monstration, elle en est comme l'accueil dans un geste humain. D'où, sans doute, ce que j'essayais de dire là dans cette phrase de mon petit livre. Mais pour le poète, l'écrivain que vous êtes, ce sont donc le langage, ce sont les mots qui nous empêchent de croire une origine divine ?
Il ne s'agit pas de croire à une origine, il s'agit de s'y reporter, de se retrouver dans son afflux, dans sa chaleur. Et ce n'est donc pas que les mots nous empêchent de croire, mais ils nous retiennent. Ils nous retiennent dans le multiple, ils nous retiennent dans la dissociation. Le travail de la poésie, quand même, permet de remonter, si je puis dire, en direction de cette unité, car les mots ne sont pas que des concepts, ils sont aussi des sons, un matériau sonore. Et quand nous faisons agir cette sonorité du mot contre sa signification, du coup, cette signification en est comme affaiblie, comme neutralisée, et puisque c'est la représentation qui nous empêche d'être avec la présence, eh bien, la présence devient du coup un peu plus proche. Le mot devient conducteur de cette présence que le concept, qui est moins que le mot, nous empêche de vivre. Vous dites la poésie, c'est-à-dire un assentiment. Si la poésie est un sentiment, c'est par d'abord l'expérience d'un refus de propositions que notre imaginaire nous fait. Mais de refus en refus, que fait-on sinon de dégager le lieu d'un assentiment en plus profond ? Qui n'est plus un leurre, alors. Et qui n'est plus un leurre, du coup. Qui est ce que j'essaie d'appeler parfois le simple, c'est-à-dire la réalité fondamentale rencontrée dans la nudité de sa présence devant nous. Oui, mais là arrive ce que vous nommez l'exil, parce que vous dites, en vérité, il suffit que quelque chose me touche, et cela peut être la plus humble, pour que l'être se clive et sa lumière, et que je sois en exil. Alors j'ai envie d'ajouter en exil de quelles origines y a-t-il un originaire à cet exil ? À tort peut-être, j'ai ressenti de très longue date la parole comme notre langue nous la permet, comme un exil, comme un état qui nous garde séparés, donc justement de cette origine, de cette plénitude première, ou réciproquement, dans l'avenir que l'échange humain nous suggère tout de même, nous garde séparés d'une sorte de partage, d'unité dans le rapport à l'autre, qui serait comme la rédemption du groupe social. Oui, je ressens la parole comme une sorte d'exil et la poésie comme le moyen de réparer cet exil, réparer le défaut de la langue, comme disait Mallarmé, dans un contexte sans doute un peu différent. L'exil et l'errant, ce sont des thèmes qu'on retrouve très, très souvent chez vous, jusque dans un de vos derniers titres, La vie errante. Et dans ce livre, vous évoquez ce Dieu qui a préféré l'angoisse de la recherche à la joie de l'œuvre accomplie. Alors, ce Dieu est-il, pour vous, Yves Bonnefoy, simple métaphore ? Oui, dès qu'on forme le nom de Dieu, on est dans le métaphorique. Je n'ai pas de croyance, je ne suis capable de donner ma foi à aucune représentation, à aucun système de représentation religieuse. Ce mot est là pour moi comme pour désigner plutôt la case vide dans le système des représentations que constitue le langage. Et l'errance, eh bien, c'est aussi l'errance de nos désirs, de nos représentations, cherchant comment remplir la case vide. Et heureusement, n'y parvenons pas. Si nous restons sur les mots, justement, et vous dites qu'il existe un point dans beaucoup de mots où ceux-ci ont contact tout de même avec ce qu'ils ne peuvent pas dire. Est-ce qu'il s'agit d'une autre parole ? Vous savez, Mallarmé, un moment dans sa réflexion, a fait l'expérience, pour lui, véritablement radicale, du caractère spectral, irréel, de tous les contenus de représentation qu'il peut y avoir dans les mots que l'on prononce. Ce que chaque mot peut dire d'un aspect du monde, il a compris que ce n'était qu'une vaine forme de la pensée, ne pénétrant absolument pas la masse de la réalité extérieure. Les mots se sont vidés pour lui de toute capacité de connaître
ou de dire. Eh bien, c'est à ce moment-là que le mot qu'il pouvait employer lui est apparu plein de la présence sensorielle de la chose la plus immédiate, la plus pleine, la plus glorieuse, vidée de toute ambition de dire ce qu'est la chose. Le mot lui permettait de voir la chose avec toute cette plénitude qu'elle peut avoir dans les instants où nous regardons le monde en faisant taire en nous le langage, précisément. Donc, dans ces mots, dans ce qu'il appelle alors la notion pure, dans ces vocables comme dégagés de la conceptualisation, apparaît ce point par lequel la réalité vient vers nous. Et c'est cela, si on peut dire, la vertu de ce mot, dont tout à l'heure je disais le tort, puisque je l'accusais de nous maintenir en exil. Est-ce qu'il garde de cette musique originelle que vous avez évoquée ? C'est parce que cette musique a recommencé dans la parole que le mot retrouve cette vertu. D'où l'attrait de la musique sur la poésie, le caractère mystérieux que peuvent prendre certaines phrases musicales entendues à l'horizon de notre désir. Les formulations de la musique, si l'on peut parler ainsi pour désigner des phrases musicales, apparaissant comme une émanation de cette terre de l'unité qui est au-delà des capacités d'approche du langage. Et ces phrases de la musique étant là-bas, aux confins, comme une sorte de promesse, de point d'orientation vers lequel il faut se diriger. Mais n'y a-t-il pas chez vous, Yves Bonnefoy, ce qu'on pourrait nommer un désir d'une autochtonie, d'une naissance, d'une origine dans le sol, par le sol? N'est-ce pas là l'arrière-pays que vous avez évoqué? D'ailleurs, vous écrivez la présence, le fait du sol, je vous cite, le fait du sol qui, dans son recourbement sur soi, produit un lieu. Oui, je m'en voudrais d'avoir l'air de prôner une sorte de valorisation des conduites pastorales. Ce n'est pas du tout ce que j'ai en esprit, mais... Non, je songeais aux Grecs, je songeais à ce qui était, à ce que Saint-Nicolas oui. Loro a pu dire à propos d'autochtonie, je songeais à quelque oui, chose mais, qu'il faut, que ça devient je ne déteste pas ce mot d'autochtonie, pour autant, parce que, en fait, dans cette relation originelle à soi-même, dont nous gardons en nous comme la mémoire, malgré le langage, eh bien, le pays de l'enfance, le pays... natal à valeur. Il est comme chargé d'un certain nombre des expériences, des représentations que l'on a fait dans cette toute première période de la vie. Il y a donc comme une intensité, comme une lumière attachée à certains lieux quand on a eu la chance précisément de pouvoir en vivre de cette façon-là. Et c'est sans doute à cela que vous faites allusion oui, à l'avoir trouvé d'ailleurs. Dans l'arrière-pays. Oui, oui. L'arrière-pays qui est en effet un livre entièrement tourné vers le problème de l'origine, un livre édipien, si l'on peut dire, car ce que l'on appelle notre complexe d'Édipe, bien, mais c'est tout de même pour une large part déterminé, structuré, dialectisé par... le souvenir de cette expérience plus pleine qu'il y avait au début. Puisque nous évoquons Œdipe, j'ai envie de vous citer une phrase de Jean-Pierre Vernant, une bonne fois. Jean-Pierre Vernant écrit « Dans la tragédie, l'oracle est toujours énigmatique. Il ne trompe pas, il donne à l'homme l'occasion d'errer. » Œdipe, c'est le langage, en un sens. Il nous pose les problèmes que le langage pose, mais si nous cherchons à les résoudre, nous sommes les prisonniers du langage et nous sommes donc privés du chemin possible du retour. Il faut apprendre de temps en temps à ne pas répondre à Œdipe et passer devant lui hardiment.
Il n'y a de poétique que de l'origine. Si la poésie se donne d'autres buts, c'est que ceux-là sont comme des chiffres de cette intention plus profonde. Si elle ne se donne pas ce but, c'est qu'elle a cessé d'être poésie. C'était La Passion des Origines, une émission de Mathieu Bénezet, diffusée dans Les Chemins de la Connaissance en 1994, avec la participation d'Yves Bonnefoy. D'Yves Bonnefoy. D'Yves Bonnefoy.